Hey, salut la gang! Vous êtes avec Jeffrey le Pompé en direct de Radio Obligé. La radio que t'écoutes en checkant Ernest à la chasse aux monstres pour amener du cash, c'est bien meilleur ça! Monte le son! Hey là, je sais que ça fait un bout qu'on s'est pas jasé. Fait combien de temps, Lévi? 8 mois qu'on s'est pas jasé, ouais! J'avais des problèmes personnels à la maison, qu'est-ce que tu veux? On avait un drain qui était bien bouché, on a acheté du drano! Ouais, hier, ouais, on a acheté ça hier, ouais. Hey, aujourd'hui, le débat du jour, la boisson alcoolisée, le fort loco, pour ou contre? On prend un premier appel. Moi, je compte le fort loco. Comment ça? Parce qu'il y a deux affaires de vrai dans la vie. Il y a ici, BC, pis la Laurentine avec du poivre. Ouais, ben c'est pas du sel qu'on met dans bien d'habitude. Peut bien essayer. Mais de toute façon, on sait comment ça va finir, ça. Ça, c'est encore une mode de reine. Là, ça boit du fort loco, après ça, ça va se coucher au pombé, ça va se ramasser d'un saut nogué à se tâter le bourgeon. OK! Oh boy! On en prend un autre. Bien bonjour, moi, c'est Madame Biron Cadorette. Je viens de Bonaventure et je suis tout à fait contre le fort loco. Comment ça? Eh bien, voyez-vous, moi, mon petit-fils, il vient dormir ici à tous les vendredis soirs et il boit ça, lui, du fort loco. À tous les vendredis soirs, coudon, il a pas de parents, lui. Mais vous devriez voir quand il boit ça, il vient roux. Moi, rien contre une petite crème de menthe avec ben du lait une fois de temps en temps, me laisse tenter. Mais là, il y a 11% d'alcool là-dedans. Moi, j'ai dit, Kevin, à boire ça, tu vas te tuer un petit feu. Et une fois, il est rentré à 3h30 du matin, il y avait une pizza d'Ixili, il a mis ça dans le four à 4,50, il s'est endormi sur le divan. La maison manquait pogné en flamme, toi. Ouais, ben c'est le cas de le dire, il va mourir à petit feu, à petit four. Oh, je t'en fais papy. Ok, esti. On en prend un autre. En disant, t'as un whip. Comment ça? Ah, moi, vois-tu, moi, mettons, ma mère, là, la Regine, elle me donnait une 15$ d'allocation par semaine. Je vais pas chier loin que ça. Fait que, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en cale 3-4 canettes, puis on tombe ben paf. On va voler des bicycles dans le quartier, puis on pognasse les filles. Ben, voler un bicycle, c'est tel quel, là, mais pognasser des filles, sont-tu consentantes au moins, ces filles-là? Ah, ben, moi, les pognasses, qu'on s'entende bien ou non, qu'on s'entende. Ok, là, je t'aboute, là. On en pogne un dernier. Ben moi je pense que c'est sûr que si tu regardes ça, la vraie chose... Rastiche, calé!